C'est la grosse Kaira. La fils. Et toi ? Il y a toujours eu dans l'inconscient collectif un mythe, des questions sur le capitaine d'une équipe de rugby. Quel est son rôle ? Comment se prépare-t-il ? Comment commande-t-il sa petite armée de joueurs avant la bataille ? Donc aujourd'hui avec Inside Stade Français Paris by Lancia, on va essayer de parler de ce sujet avec Pierre Rabadan. Le Stade Français reçoit une équipe italienne en challenge européen et se déplace au Mans. C'est l'occasion pour nous de les suivre toute la journée. Et pourquoi Pierre Rabadan ? Parce que Pierre, tu es le capitaine du Stade Français aujourd'hui. Exactement. Pierre, quand est-ce que tu as appris, par exemple, pour ce match spécifiquement, que tu serais capitaine ? Généralement, on l'apprend lors de la composition d'équipe. J'imagine que ton rôle de capitaine ne se limite pas aux 80 minutes de jeu. Les 80 minutes, c'est presque le plus facile, je pense. Après, une fois qu'on est dans le match, ce qui est important, c'est la préparation. C'est tout ce qui se passe dans la semaine, c'est l'échange avec les joueurs. C'est d'être un peu le relais aussi auprès des entraîneurs pour dire ce qui va et surtout ce qui ne va pas. Bon, on est appelé, il faut qu'on y aille. Le bus démarre, direction Le Mans. On y va. Pierre, on y va. Allez. Pierre, ça met une pression supplémentaire d'être capitaine quand on rentre sur un terrain. La pression qu'il y a, elle est plus collective. Au-delà de la performance individuelle, on s'attache plus encore à la prestation de l'équipe. Donc, parce qu'on a un rôle à jouer par rapport à ça aussi. Que ce soit dans les options tactiques qui sont prises pendant le match et aussi par rapport au comportement des autres joueurs, au respect des consignes, à la discipline, à toutes ces choses-là. Alors, je crois pas qu'aujourd'hui on peut dire que ça met une pression supplémentaire. T'expliques un peu le programme de l'après-match ? Non. De l'après-match ? Ouais. Dis-moi. On a réservé un bar en ville, tu vois, un peu sur même ce qu'on a fait. La dernière fois là ? Non, l'autre. Un autre ? À 200 mètres. Ok. Donc, voilà, c'est... Parfait. Sans le 9. C'est beau. On va se geler les miches. Il fait froid. C'est 4 degrés. Bah, il fait froid, je trouve. J'ai moins 8 chez moi. Capitaine, je pense que c'est quelqu'un qui prend le relais sur l'entraîneur. Nous, on les prépare jusqu'au jeudi. Et à partir du vendredi, c'est le groupe qui doit prendre le jour à son compte, à charge. Parce que sur le terrain, il n'y a que... Si, apparemment, ils annoncent un peu de pluie pour cet après-midi, mais pas ce soir. Donc, si on peut jouer, on va jouer le maximum de ballons. Puis voilà, on a la chance... On aurait joué à Charletti et tout. Là, on est quand même dans un beau stade. Il va y avoir plus de 10 000 personnes. Donc, ouais, il faut profiter de ça. Ouais, classique. T4. Les gars, courez un peu, quoi. 1-3-3. L7. Ouais. C'est bon? Ok. Ok, 1-3-3. Ok, S77. Alors on a dit un lay, tu viens à chaque... Non, quand ils arrivent, parce qu'on sait jamais s'ils sont 6 plus 1, 5 plus 1, donc tu viens toujours. Et quand ils... Voilà, et après tu pars. Pierre, c'est le joueur emblématique du club, 15 ans de bons et loyaux services par rapport au club, jamais une faille par rapport à ça. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter et qui a toujours prouvé sa fidélité au Stade Français. Donc ça, c'est une valeur vraiment très forte à nos yeux. Et puis, c'est un leader. Ah ben là, t'arrêtes. Et ce sondage, ça l'a tué. Hein, depuis mon beau, il prend feu, mais non, c'est un truc de fou. Mais bien sûr que je prends feu. Il y a un problème, hein. Belette se prend pour un sex symbole. C'est quoi qui me donnera mes sous ? Ah, mais t'es un malade, toi. Il est charismatique, en fait, c'est une autorité naturelle, quoi. Il n'a pas besoin de se forcer. Il est un peu capitaine tous les jours, quoi. Il est vachement présent pour nous, il nous aide beaucoup, il nous dirige, il nous dit quoi faire. Si on a des problèmes, on peut le voir. Il répond à nos questions, il est vachement ouvert et disponible pour nous, en fait. Mais il faut qu'on monte, leur mettre la pression, d'accord ? Hein, vraiment, vraiment beaucoup de pression. Ouais. J'ai mal. You to the dragon, ok.
On the floor. Yes, please. Okay, it's the dragon. And each ball. 1 minute, on avance, on avance. La première des choses, le mec, c'est notre défense. Là-dessus, faut qu'il y ait des carreaux, d'entrée de match. Le respect, tout est le gagne, pas en faisant des beaux discours, pas en parlant, mais on joue mieux au rugby, être bon sur le terrain. Ça s'est plutôt bien passé au niveau du résultat final, mais le capitaine a eu du boulot, je crois, sur le terrain. Ouais, j'ai eu du boulot et j'ai senti que les joueurs n'avaient pas mis l'investissement qu'il fallait mettre pour faire un bon match. Donc on a été très poussif en première mi-temps, un peu attentiste, un peu feignant aussi dans les déplacements. Donc on n'a jamais été vraiment en danger, mais on n'a pas produit grand-chose. Le seul point positif, c'est qu'on a réussi à prendre le bonus et qu'on a marqué les 5 points, mais sur le contenu du match, on ne peut pas être satisfait d'une prestation comme on a fait ce soir. Pierre, merci beaucoup de nous avoir permis de te suivre toute cette journée. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Là, les mecs ne se déplaçaient pas, tu vois, ça ne courait pas. Ouais. Mais je te dis, on avait l'impression que ça allait... Ça allait à deux à l'heure, c'était pas une impression.